Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On nous a envoyé plusieurs messages sur notre page nous signalant qu'une personne faisait la manche vers Aix-en-Provence, tout ça. Bon, jusqu'à là, ça nous dérange pas trop. Ce qui nous dérange un peu plus, c'est que la personne pense que ce SDF, en fait, n'est pas un SDF et profite de ça pour avoir de l'argent et vivre convenablement sans travailler. Comme on n'est pas sûr de ça, on va aller sur les lieux, on a l'adresse, on va s'y rendre, on va prendre une petite caméra, genre une petite GoPro, genre on va essayer de se camoufler au mieux pour pas qu'il nous voie, et on va filmer jusqu'à ce qu'il arrête de faire la manche, et pour voir où il va, où il habite, où il dort, pour vraiment voir si cette personne est un SDF ou pas. Donc je vous laisse regarder cette vidéo dans son intégralité et on se retrouve à la fin pour une conclusion comme d'habitude. Et n'oubliez pas www.futuratech.com pour les vêtements camoufle, les casquettes, etc. A tout à l'heure. Je veux rien faire à cette personne, peut-être qu'elle est vraiment SDF. Juste, on a reçu plusieurs messages, donc c'est assez bizarre. Donc, on va voir. Ouais, en fait toute la journée que ça le mec. C'est des allées, des retours, des allées, des retours. Ouais, donc il fait assez froid là et je pense vraiment que c'est une personne qui est vraiment sans moyens, qui a pas d'argent et voilà, depuis tout à l'heure ça fait je sais pas combien de temps qu'on est là, le mec il fait la manche quoi, je veux dire. Donc de toute façon au pire des cas, même si c'est pas un faux SDF, on mettra cette vidéo en ligne pour montrer à quel point les SDF ils galèrent. Ça arrache moi. Ça me va je crois. Mais il a fini la journée avec son fameux matin. On reste sur le trottoir ou on trouve un autre endroit? Vas-y, vas-y. Tranquille. Ça va passer. Ouais. Là, c'est juste pas obligé. Ah, ouais. Ouais. Vas-y, je me mets. Je trouve pas qu'il te voit. C'est bon, il sort de la boulangerie? Ouais. C'est vrai, il a rien acheté à manger. Vas-y, viens dessus, viens dessus. J'ai envie d'aller lui parler, mais si je vais lui parler, je vais tout niquer. Ah, bah, tu vois, je vais te dire. Déjà, ouais. Il va déjà, la pression. D'accord, j'ai compris le signalement, c'est bon. J'ai tout compris. Il est là-bas. Tu le vois? C'est lui, je crois. Tu l'as? Un visio, quoi. Mmh. On y va. Ok, il se gare. Ok, il se gare. On va se garer, on se gare là. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va, l'intercepteur qui est vite, vite, vite. Cache la caméra, cache la caméra. Salut monsieur. Bonjour. Alex, tu le reconnais? Tu le reconnais? Vous étiez pas. Comment vous me connaissez? Vous étiez pas en train de faire la manche tout à l'heure? Pas du tout. Pourquoi vous filmez là monsieur? Enfin je vous filme. Pourquoi vous faites passer pour un SDF. Vous profitez de la faiblesse des gens et vous roulez un ML. Ouais, j'ai même pas les mots, monsieur, je roule un ML. Je peux pas profiter de la faiblesse des gens, je fais que ça. Il vient en faisant la manche. Toute ta vie, tu fais ça. Heureusement, ça fait. Mais tu t'as acheté là, comment ça, en faisant la manche? Tu t'as acheté le ML en faisant la manche? Ça fait 2 ans que je fais ça et voilà, ça marche pas bien. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Après, à cause des gens comme toi, les gens ils donnent plus aux vrais gens qui en ont besoin. Tu comprends? Et le travail, je travaille pas, non? Mais si non, moi je fais pas ça. Tous les jours ils se postent au feu rouge, mais non, mais attends, c'est une blague. Mais un SDF, s'il fait pas ça, il mange pas. Mais il mange pas, mais là c'est même pas pour manger, c'est qu'on regarde la voiture que tu as. Mais bravo, putain, bravo. Bravo, c'est bien. Mais tu sais ce qu'on va faire, moi je t'explique.
Là, on filme pourquoi? Parce que nous, on fait des caméras sur internet, on fait des caméras cachées, tu vois. Déjà, je veux plus que ça aille au feu rouge. Je veux plus jamais te voir faire la manche. Ouais, et qui sait comment tu vas faire pour le okay, je cherche. Parce que tu. Non, mais je veux plus que tu fasses la manche et que tu profites de la faiblesse des gens et en plus que tu profites du malheur des sans amis. Donc, j'arrête. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'inscris à Pôle emploi? Tu t'inscris à Pôle emploi et tu vas trouver du travail. Ça, c'est une bonne option. Moi, je me sens bien. Option, ça. C'est comme si tu faisais croire à quelqu'un de ta famille qui était mort. Je fais ce que je veux. De l'argent. Bon, écoute, tu vas faire ce que tu veux, y'a pas de soucis. Nous, on met ton visage sur internet. Maintenant, droit, pas droit, moi, j'en ai rien à foutre, honnêtement. Maintenant, si tu veux, on met ton visage sur internet, on va pas discuter là, il commence à faire nuit. J'ai pas envie de discuter 100 ans. Tu me donnes les sous que tu as là, nous, on va les distribuer pour de bons des SDF. Ou soit, ben, c'est bon, basta. On s'arrête là, on s'en va. Tu veux continuer à faire la manche, y'a pas de soucis. On va au flic, on dit que tu crois parce que t'as pas le droit en plus. Parce qu'en plus, t'as pas le droit. Tu parlais de droit depuis tout à l'heure, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit, on n'a pas le droit de mettre ton visage sur internet, mais toi t'as pas le droit de faire la manche sachant que t'es pas SDF. En plus, tu veux SDF, ça veut dire sans abri, sans domicile fixe. En plus, tu veux mes sous. En plus, tu veux mes sous, justement, c'est les sous des gens. C'est des gens qui ont cru donner à des vrais SDF. Donc, ça, c'est une bonne solution. Et tu t'inscris à Pôle emploi. Et ici, dans tout le secteur, que j'entende pas, parce qu'en plus, c'est des gens qui sont venus me signaler. Que j'entende pas encore, ouais, j'ai vu cette personne-là. Tu vas te mettre sur le toit. Prends ça, taille-toi. Ça, c'est ce que tu as récolté en journée, ouais, c'est ça. C'est énorme. Il y a combien là? Et pourquoi tu rentres dans la boulangerie? Et comment les gens ils t'ont pas donné des billets? Tu me prends pour un con? Les gens ils t'ont pas donné des billets? Ouais, mais je suis allé dans la boulangerie pour. Faire la monnaie? Ouais, quand même, donne ça. Comme la boulangerie ne sert pas des billets. Donc moi je vais souvent, je vais tous les jours. Et elle est au courant que tu es une SDF? Elle s'en fout. Elle s'en fout, moi ce qui l'intéresse, je lui donne des pièces. T'as 200 euros pile, tu vas me faire quoi? T'as pas de monnaie un peu sur toi? C'est mes sous d'aujourd'hui. Je te donne ça. Donc, il te reste de la monnaie, mais tu veux pas me la donner? Change d'endroit. Change d'endroit. T'inquiète. Changera d'endroit? Si tu me retrouves, bah, attends. Si tu veux prendre, écoute mon ami, je vais te parler sincèrement. Si tu veux prendre le risque que les gens y voient ta figure, parce que moi je la vois ta figure, nous on l'a ta figure, pas foutu. Si tu veux prendre le risque que les gens y voient ta figure, il n'y a pas de souci. Reprends, on va faire la manche. T'inquiète. Allez. T'inquiète, ouais. On va casser les couilles, viens t'as parler 100 ans avec lui, frère. On va aller au centre-ville. On va aller en centre-ville et on va distribuer ses billets à un vrai SDF qui en a vraiment besoin. Comme ça, il pourra dormir à l'hôtel, il y a 200 euros. Mais il avait de la monnaie, c'est sûr qu'il avait de la monnaie, parce que tu vas pas me dire qu'au fin de la journée, il a 200 euros pile, tu vois. Il avait de la monnaie sur lui, il a pas voulu me la donner. Les amis, je suis en train de... J'ai trouvé un SDF. Il dort là, apparemment il dort, ça, il fait assez nuit, c'est assez tard. Et là, je marche et j'ai trouvé un SDF qui dort sous une couverture. Donc je pense que ça va lui faire plaisir de donner 200 euros comme ça. Monsieur? Monsieur? Excusez-moi monsieur. Vous pouvez vous réveiller s'il vous plaît, j'ai un truc à vous. Qu'est-ce que vous voulez monsieur? Vous dormez dans la rue? Oui monsieur. Ça fait longtemps? Que vous dormez là? Excusez-moi de vous déranger, vraiment je voulais pas. 3 ans monsieur de dormir. 3 ans? Attendez, il y a 200 euros là-dedans, d'accord? Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup monsieur, merci. Merci parce que. En ce moment il fait très froid. Et je sais. Merci, bon, merci beaucoup monsieur. Bonne soirée. Et dormez pas ici ce soir hein? Non. Je vais aller à l'hôtel. Ok. Eh, bonne soirée. Voilà, comme vous pouvez le constater, ben, j'ai donné 200 euros à la personne et elle est partie se loger dans un hôtel, je pense, à côté, ou je sais pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il va s'acheter des vêtements, plus avoir froid, ou voilà, ça aura servi à quelque chose. Sinon, après la conclusion. Hein? À tout à l'heure. Voilà les gars, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme vous pouvez le constater, la personne qui nous a envoyé les messages avait raison. Cette personne n'était pas SDF, enfin n'est toujours pas SDF d'ailleurs, hein, et profite de ça pour gagner de l'argent. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc on a fait en sorte, comme vous l'avez vu, de prendre l'argent et de le distribuer à quelqu'un qui en a vraiment besoin et qui a pu s'en servir pendant quelques jours. Malheureusement, on est dans l'impossibilité de savoir si cette personne continue à faire semblant de faire la manche ou pas. Donc le problème, c'est que ben, on va devoir y aller quelque temps, on va devoir demander aux gens s'ils ne le voient pas, tout ça, pour voir si jamais il recommence. Parce que là, le seul moyen de pression qu'on avait sur lui, ben, c'est de montrer son visage, tout ça, mais apparemment, il n'en avait un peu rien à faire. Si vous le voyez du côté de Aix-en-Provence, Marignan, tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer un message, ou au pire à faire votre enquête vous-même pour après nous envoyer un message pour qu'on puisse intervenir cette fois et qu'on fasse une intervention un peu plus musclée, voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pour nous suivre sur Snapchat, n'hésitez pas à nous rajouter, c'est Camoff, C-A-M-O-F-F. Pour les vêtements Camoff, pour les casquettes, pour les pulls, les t-shirts, tout ça. Si vous aimez nos vêtements, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à aller sur le site www.
www.futuratech.com pour porter notre marque et être fier de la mentalité qu'on a et que vous avez sûrement aussi. Voilà. Pour tout le reste, ben, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h. En attendant, portez-vous bien et faites attention à vous. Ciao.